Martial, donc tu avais le meilleur temps donc, à l'issue de la série, tu finis premier, donc c'est logique. Oui, c'est logique, quand il reste encore beaucoup de séries à passer, je pense. Et, le but du jeu, voilà, c'était pas de faire un gros temps, le but du jeu c'était de sentir bien, de prendre pied avec la compétition. Les courses de séries sont des fois assez piégeuses, il faut pas tomber dans l'écueil d'être trop relâché. J'étais un peu trop relâché, je pense, au début, et je me suis bien rattrapé sur l'accélération. Et voilà, c'est une course qui est déjà derrière moi, je suis déjà concentré sur la suite, la demi-finale. 1,62, donc le temps de réaction, c'est bon pour toi? Non, d'habitude je tourne à 1,20. Voilà, c'est la preuve de mon relâchement et du fait que je ne cherchais pas à faire une grosse performance aujourd'hui lors de la grosse course pour la finale. Alors 10-25 avec un vent de moins 1,2, est-ce que ça vaut un 10-10? Faut demander aux spécialistes, peut-être, je sais pas. Peu importe, aujourd'hui, peu importe. Je préfère de spéculation sur les chronos. Le seul chrono qui comptera, ce sera en finale. Ouais. Le but du jeu, c'est de passer à la ligne le premier, peu importe. Le chrono déjà derrière moi, peu importe. Merci.